Jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39. C'est pour le Seigneur, béni portion d'Écriture, ça pour la gloire de son Saint-Nom tout d'abord, et ensuite pour l'édification de nos âmes. Femme avec soeur Mayo, bon Dieu bénis nous. Moi salue nous toutes dans nos Jésus. Seigneur, il sauve nous. Nous comptons à soi encore pour nous capables rejoindre avec vous à bon tabla pour nous capables de rencontrer avec le Seigneur dans la prière ensemble. Et nous dit le Seigneur merci parce que les rend possible pour nous encore une fois jeudi. Jeudi, c'est jeudi 8 juin 2023. Deuxième jeudi dans le mois de juin. Nous dit bon Dieu merci. Moi, salue chaque fois avec ce noyau qui. Un peu partout, à côté de nous, à travers le monde entier. Dans quel que soit pays, côté que ou branchez nous, moi salue dans nom Jésus. Et moi remercie vous pour support que vous portez à Radio Télé Trinity. Support de prière ou support d'abonnement ou et de partage aussi. De prière yo. Sans travail ça, sans support ça, prière pas arriver loin. Mais grâce à support, ça fait un pile moun gen chance pour la prière ensemble avec nous. Et n'a continuer mandé ou toujours même support. Non seulement prier pour nous, mais continuer inviter yon frère, yon sœur pour capable abonner à channel là et aider nous partager moment de prière yo. Le Seigneur pas manquer pas bénir pour ça. Femme avec soeur moi yo depuis avant hier nous t'es commencé disons mieux depuis lundi nous t'es commencé dans le sujet sécheresse ensemble avec vous. Nous t'a parlé autour du mot sécheresse mais spécialement sécheresse spirituelle. Lundi dernier, nous t'étions ensemble. Qui ça y est, sécheresse? Qui vraie signification mot sécheresse là? Nous t'étions ça ensemble. Nous t'étions que c'est une absence d'eau, un manque d'eau. Automatiquement, commence à y avoir absence d'eau. L'eau a commencé à réduire. Ou commencé à entrer dans sa crise sécheresse. Mais nous t'étions ça, surtout c'était pour sécheresse.
terrestre ou bien physique, mais qui pas différent de sécheresse spirituelle. Parce que depuis commencé gain absence d'eau nan namou, namou pap capable gain même vigueur encore. Ou pap gain même appétit spirituel là encore. Et nous te ouais femme avec chemin yo qui ça qui kon causer sécheresse ça yo. Et nous te ouais ensemble c'était mauvais choix que nous fait, mauvais comportement nous, infidélité nous, négligence nous et tièdeur nous. C'est yo qui toujours cause nous entrer ou bien nous faire face à sécheresse spirituelle. Et nous te ouais aussi que le Seigneur pas jamais gagné dans plan pour nous faire face avec sécheresse spirituelle. Au contraire, les mêmes plans que les gagnent pour nous, c'est plan pour nous capables d'avancer, c'est plan pour nous capables recevoir qui te nous dit tout bon bagaille yo nan men. Mais pour nous capables recevoir yo, pour que projet ça yo, bon projet ça que bon Dieu gagne pour nous yo, pour yo capable réaliser, faut que nous attentifs à parole. Et nous on dans Jérémie 29 que la parole de Dieu dit nous que je connais les projets que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. Donc, le Seigneur pas jamais gagne un plan pour nous tomber dans ces chaises spirituelles. Mais pour ça pas arriver que nous besoin attentifs à voiler. Et c'est ça que fait dans Jérémie 17 versets 7 et 8 côté que Jérémie a parlé, qui te nous dit depuis nous commencer dans verset 5. Côté Jérémie a dit une malédiction pour moun qui mettait confiance dans moun, mais par contre dans verset 7 il dit une bénédiction pour moun qui mettait tout espoir et toute confiance dans l'Éternel. Yo tant que son pied bois qui planté près yon d'l'eau et que racine étend vers courant yo, même si gen saison chaleur li même li pa jamais sentil et feuille yo a toujours été verte. Dans l'année sécheresse, lui-même n'a pas gagné pour le crainte. Parce que lui-même n'a jamais suspendu pour tes fruits. Donc, femme avec ce maillot, c'est pour montrer nous comment le Seigneur lui-même n'a pas plein de sécheresse pour nous. Mais par contre, négligence nous, désobéissance nous, tièdeur nous, yo cause nous tomber dans la sécheresse spirituelle. Et nous te wè nan Agé chapitre 1er côté nous te lire pour ou femme avec ce moyen yo. Nous te wè comment le Seigneur t'a parlé avec peuple là par le biais de Agé. Il t'a parlé avec peuple là. Il t'a mandé peuple là pour te ka reconsidérer voie yo parce que peuple là t'a fait peu de cas comme si yo pas te bay importance à tant bon Dieu a t'écrasé. Yo te seulement a goumen pour propre caillou personnellement. Donc femme avec ce moyen yo. Et en pile fois, nous avons toujours des tendances pour nous tromper de priorité, tant que Jean nous a dit hier. Nous avons toujours des tendances pour nous tromper de priorité. Nous avons toujours tout prêt pour nous mettre priorité personnelle nous avant les priorités du royaume de Dieu. Donc, et ça, c'est une grave erreur que nous toujours commettre. Et ça toujours fait nous tomber dans ces chaises spirituelles. Et mardi dernier, nous avons ensemble les signes et les symptômes de cette maladie, de ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. Parce que en pile monde juste prend ça au hasard, mais c'est une maladie qui est très grave. Et nous te faire ouais quelques signes, parce que c'est pas tout signe, mais nous te faire ouais quelques signes des pour ouais ou dans la vie ou qu'on est ou son monde qui a entré dans la sécheresse spirituelle. Nous te ensemble l'absence des éléments stimulant la vie spirituelle. De pour commencer gain absence élément qui stimule la vie spirituelle ou qu'on est ou commencer entrer dans sécheresse spirituelle. Depuis où ou gain une perte d'appétit des choses spirituelles, graduellement ou a perdu appétit spirituel ou émission, prédication, programme spirituel côté remet en pile autrefois. Jodi a ou vinn pa gain goût dans bouche ou encore. Ou pas édifié dans yo encore, ou rete indifférent face à yo, frère avec seulement yo, ou met konnen, ou ap entrer dans ces chaises spirituelles. Depuis,
ou gade ou wè ou vin gen yon bes de la vie de consécration. Ou vin gen yon bes, ou ap réduit graduellement nan vie de consécration konnen ou ap fè face à sécheresse spirituelle. Vie de prière, routine de lecture, de méditation à la parole de Dieu, ça yo vin décliner, yo tombe en déclin dans la vie ou femme avec seman yo, ou pas fait pour ap jouer avec bagay ça. Ou pas doué avec jouer avec lui. Ou te gon vie de prière qui était normal. Routine de lecture et de méditation, li était normal. D'un coup, yo vin tomber en déclin et puis yo pa gen goût nan bouchou encore. Ou pas doué jouer avec ça. Konnen femme avec seman yo, ou fait face à sécheresse spirituelle. Ou vin a fui la présence de Dieu. Ou pas ka jouer avec ça. Femme avec seman yo, ou vin pas ka prier pour longtemps. Ou pas ka prier pour longtemps. Longtemps ou te kon comme si ou kon pas ka énumérer temps pour passer dans la présence de Dieu. Jodi a 10 minutes faut courir, 15 minutes faut courir parce qu'ou pas ka prier encore. Ça veut dire ou vin a perdu vie de consécration. Ou pas de jouer avec ça, femme avec seman yo. Ou vin gen yon bes nan intimité ou avec Dieu. Ou pas doué jouer avec ça. Ou vin gen impression que Dieu loin ou. Mais pourtant on pas vrai rendre compte que c'est ou même qui éloigné ou de Dieu. Ou pas doué jouer avec ça. Longtemps ou pas ta fait rien sans qu'on pas te mettre bon Dieu au courant. Bien qu'on connaît que le déjà connaît déjà. Ou pas tes jambes fait rien sans qu'on pas inviter bon Dieu la donne. Je dis assez différent. Ou besoin rele pour corps. Ou vin rete comme ça ou garder ou wap gen yon perte d'intérêt pour la vision de Dieu. Vision que bon Dieu te ba ou vin a perdu intérêt la dani. Ou même qui gen appel sou vie ou. Ou gen appel bon Dieu sou la vie ou. Ou genyen ministère que bon Dieu confie ou. Ou rete d'un coup. Ou vin a perdu intérêt là dans yo. Tout ça moun te kon a di ou longtemps ki pa te kon atteint nou jodi a yo atteint nou. Jodi ou trouvé se temps ou a perdu. Jodi ou vin ou vin wè que comme si bagay sa pa mène nulle part. Ou a perdu intérêt nan bagay ki pou avancer royaume bon Dieu ya. Oubliez qu'on y a si ou pa mi yon nan contribuant de l'avancement du royaume de Dieu ou quitter négligence pour te aller ou bien ça mon a dit atteint nous des pour ça arriver vraiment avec seman yo connaît ou dans sécheresse spirituelle ou vin rester indifférent par rapport à la croissance spirituelle ou indifférent même si ou a progressé ou pas care de ça. Et ou pas grandi non plus ou pas care de ça. Zamim, ou besoin rele sou kòw. Ou vin gen sans d'intérêt ou vin a progresser dans les programmes mondains et la progresser dans les choses spirituelles. Tout ça yo. De faire sentir que ou a entré dans sécheresse spirituelle ou vinn perdu sensibilité chrétienne ou perdu sensibilité côté gagné ou vinn rete sans miséricorde ou sans pardon ou sans remède ou vinn pas gagne l'amour ou pas sensible pour moun encore et même les ou arrivé sous point pour t'a même perdu dans spirituel ou pas cœur. Ou fait expérience là longtemps ou te kon seulement longe men ou prier sou yon moun ou prier pour yon moun sa ko kon mande ya li kon rive fait ou imposer men sou yon on malade li guéri jodi a ou wè sa pa fait encore ou pa kèr de ça. Goliath kote kon a terrasser longtemps yo. Je dis à non seulement ou vin refaire surface, mais c'est yo ka fò peur, c'est yo ka fò courir. Ou besoin rele sou kòw, frèm avèk seman yo. C'est très important pour kapab fè remak sa yo. Pour ka fè yon sòt de, comment m ka di ça, ou pour fè
yon inventaire personnel dans la vie spirituelle. Qui côté me sauti, qui côté m'yé jodi a. Est-ce que me reculer ou bien est-ce que m'avancer? Est-ce que me grandis ou bien est-ce que me fait bac? C'est très important pour qu'a fait ça. Et nous t'ai ouais ensemble hier comment ou capable sauti dans sécheresse spirituelle. Et c'est ça nous pas t'ai fini ouais hier, nous espérer jodi a nous finir. Nous t'ai ba ou quelques conseils, nous t'ai porté quelques conseils pour nan façon ou te ka sorti nan sécheresse spirituelle. Premier conseil nous te porté pour ka sorti nan sécheresse spirituelle, ou besoin reconnaître état ou besoin prendre conscience de état ou. Et c'est lui même qui number one. Si ou pa jamais prendre conscience de état ou, pas gagner ou a fait kap ka retirer ou la dan. Pas gagner moun a fait kap ka retirer ou la dan non plus. Ou besoin prendre conscience que kote ou tombe jodi a, que ou pata doit tomber là. Ou besoin accepter qu'on tombe tout d'abord. C'est pas quand on tombe là seulement non, mais on besoin accepter qu'on tombe. Gen moun ki tellement gen audace, li tombe, li vle montre que le pas tombe. C'est tant comme ta dou son moun ki wè couleur vert, li tellement gen audace, li wè c'est verlier, li fait erreur, li dit c'est marron, li pa vle accepter que le fait erreur. Li vle fè ça dépend de li pour faut d'accord que c'est vert lié, que c'est marron lié. Tandis que c'est vert lié. Ou besoin prendre conscience de état ou. Faut qu'on prenne conscience qu'on tombe. Suspend voiler la face. Suspend faire semblant qu'on ignore ça qui a passé dans la vie ou là. Prend conscience que ou tombe. Et l'on fin prend conscience qu'on tombe, faut pas isoler tête ou. Pas courir qui t'est assemblé ou. Jodi a c'est yon nan bagay qui répétait plus en dans l'église. Les moun nan en faiblesse spirituelle. Au lieu que le reconnaître que l'en faiblesse, li préférer qui t'assemblé pour moun pa pour pas quitter moun ouè que l'en faiblesse. Mais frère m avec chamoy ou c'est l'homme ouyé. C'est l'homme ouyé. Nature l'homme même c'est péché, c'est faiblesse. Pas gen moun ki pa konn péché, pas gen moun ki pa gen un moment de faiblesse. Peut-être côté ou faible là, yon l'autre gen doit pas faible la donne. Parce que chaque moun gen faiblesse pa yo, mais tout moun gen faiblesse. Lè ou nan saison ça, ou pas de fuir assembler ou pas de isoler tête ou de rester dans assembler ou. Pas empirer ka. Parce que là où fuit assemblé ou isolé tête ou gen possibilité pour pas jambe ka relever. Ou gen possibilité pour pas jambe ka relever. Parce que c'est parce qu'on t'est faible qui faut te tomber. Ou a besoin de l'autre monde qui pour aider ou pour sortir dans son yia. Deuxième bagay, l'on fin prend conscience de état ou doit pas isoler assemblé ou pas doit lever courir qui t'est assemblé ou. Parce que c'est une erreur que nous faisons souvent. Nous commettons erreur ça souvent. Pour moun pa wè faiblesse, pour moun pa comprendre si nous tombons, nous préférons quitter assemblée nous. Et une bagay qui kon fè moun quitter assemblée le plus facile. C'est la chercher interpréter regard tout moun. La chercher interpréter caractère tout moun, souri tout moun. Yo toujours mettre dans l'esprit yo que moun pa remè yo. Moun a fait hypocrisie avec yo. Moun a parlé mal yo. Ça yo répété souvent. Tandis que l'on pa te konn nan moment faiblesse sa yo. Ou pa te konn ki si yo moun parle ou mal. N te prend exemple sou tête pa ma avec ou. Parce que m pa jam suspann fè ou konnen ça. Moi c'est yon moun ki te fè 11 ans de chute. Et c'est comme ça. Li te commencé avec moi. C'est comme ça li te commencé avec moi. Donc c'est yon nan bagay qui fait moun éloigner assemblé au souvent. Les moun nan période faiblesse, li toujours comprendre que moun a parlé mal li. Et pas mal les même pour moun sa ta gen preuve que yon moun di yon bagay drôle de li. Li tou ale. Li tou ale, veye ou. Pa kite sa arrive ou. Tendez? Pas éloigner assemblé ou. Et nan assemblé ça,
Mande bon Dieu pour jwenn yon moun si ou pa deja genyen pou ka jwenn yon moun pou bon Dieu mete yon moun sou route ou ko ka konfye l. C'est pas yon moun ki pral juje ou tankou jom tap di ou hier. C'est pas yon moun ki pral pese ou descend pi fond dans la boue koto ou hier ou bien dans tout koto tombe ya. Mais yon moun le ou pale avec li. Non seulement ki pa juje ou mais ka plonge men ba ou pou ka di ban mede ou sorti. Nan sont tombé ya. Yon moun ki konnen ke li menm tou, li son moun ki konn abitue feb, ki konn tombe nan faiblesse li. Konfye ou avèk moun sa. Pou l kapab ede ou. E lè kon fin konfye ou. Ou jwenn yon moun pou ede ou. Konn ya la ou pral devan bon Dieu. De la prière. Ou parler devant bon Dieu dans la prière. Nous toujours gè tendance nous veut cacher bon Dieu. Kèk bagay. Fòm avèk sò mwen yo ki te m di ou asoya. Pa gen rien ka cacher devant bon Dieu. Dans le psaume 139, David exprimé pour le dire Seigneur, ki kote m ka cacher pou pa wèm. Li di fè noir c'est tankou lumière liye pour bon Dieu. Li di si m'ta descend nan fond la mer ou la tout. Si m'ta entre dans ton tout roche mal caché ou la tout. Si m'ta pon zèl, m'ta va di m'a parler aux extrémités de la terre, là encore ou ap jwenn mwen. Et si m'ta di m'a monter ou dans ciel là, c'est là demeurier. Et ça fait le dit Seigneur sondez-moi. Gardez pour voir si m'sou yon bon chemin. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pas caché bon Dieu rien. La vie ou c'est un couillon livre lié devant bon Dieu. Pas de page qui collait que bon Dieu va décoller. Bon Dieu qui a défait page en page pour louer toute bagaille. Les wap crier à Dieu, pas cacher rien. Accepter, dit bon Dieu, moi t'ai trompé de priorité. Et yon nan bagaille qui toujours rive. Nan moment de faiblesse sa yo, les nous tomber dans sécheresse spirituelle. C'est là qu'on y a là, nous vin pas ouais les intérêts du royaume de Dieu encore. Nous ouais intérêt pas nous personnellement. Matthieu 6 verset 25, 26, 27 jusqu'au verset 33. L'Éternel dit: Zoazo yo pas planté, yo pas récolté. Yo pas gagné dans grenier yo. Mais pourtant bon Dieu prend soin yo. Et ou même est-ce qu'on pas vaut plus que oiseaux yo devant bon Dieu? Est-ce qu'on pas vaut plus? C'est pour montrer que ou pas doit inquiéter ou pour ni s'en pral manger ni ça ni s'en pral mettre sous corps pour habiller parce que bon Dieu a prend soin ou. Femme avec ce moi yo moi lire yon histoire moi lire yon histoire yon jeune garçon sur les réseaux sociaux qui te gen un appel sous la ville et qui t'a travaillé très bien dans le ministère mais qui rive yon moment qui décide faire une carrière professionnelle et li choisi pour l'abandonner ministère pour le focus sous profession li. Voilà maintenant pendant que li pral travail un jour et li fait un accident. Selon ça que le racontait, pendant que ambulance vient chercher pour mener l'hôpital. Et dans ambulance là, c'est les sa parole ça. T'es monté dans l'esprit li. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qui ça a servi à yon moun pour le gagner le monde entier mais pour le perdre nan ni? Et c'est là ça li vin comprendre que la priorité du royaume de Dieu doit venir avant dans la vie. Que sert-il à un homme
de gagner tout le monde s'il perd son âme. Marc 8, verset 38. Verset 36, excusez-moi. Qui ça s'abservi pour gagner tout le monde là, mais sous perdu dans mon. Et c'est là ça jeune garçon ça te vient comprendre que de prioriser les intérêts du royaume de Dieu tout d'abord avant intérêt pâle parce que lui-même lui t'est vlé focus seulement sur carrière professionnelle. Assoya moi voulais dire ou même qui gagnon appel sous la vie ou qui garde jodi a qui a fait face à un sécheresse spirituelle par ça mon a dit ou qui t'est atteint nous qui manquait nourrir nanmou avec l'eau du ciel moi voulais dire assoya tourner face vers Dieu. Parce que dans Jean chapitre 7 verset 38, la parole de Dieu dit nous, moun ki kwè nan li yo, yo pa jam soif et y a joine de l'eau. Ça veut dire, li dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et nan mou pa ka joine, nan mou pa ka joine, pa ka alimenter bien sans que ou pas gagner croyance ou à 100% et regard vers Dieu. Sécheresse spirituelle, sécheresse à li causé par un manque d'eau pour terre. Et bien sécheresse spirituelle là, li causé également par un manque d'eau pour nanmou. C'est pas seulement tourner à Dieu pour crier à lui-même pendant que vous cachez des secrets. Ou besoin avili tête ou devant bon Dieu. Reconnaître que ou t'es trompé de priorité. Parce que l'on rentre dans ses chers spirituels. Si pour faire quelques minutes dans la prière, pas pour l'autre bagaille. Seigneur, m'a besoin caille. Seigneur, m'a besoin machine. Seigneur, m'a besoin rang. Mettez m'a besoin promotion. Dans le travail, moi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de rad, j'ai besoin de 10, j'ai besoin de rad, c'est ça que j'ai toujours besoin. Mais pendant qu'on oublie que Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oubliez ça. Femme avec ce moyen pour nous finir dans le sujet, moi, je voulais dire, fais ça dépend de vous pour capable de nourrir l'amour avec de l'eau. Qui est capable de faire reprendre toute vigueur. Sécheresse spirituelle. Les gars font quitter l'évangile et même perdu le royaume de Dieu. Parce que leur tombe dans la faiblesse, ça y est. Ou pas gagné, ou pas fait pour rang social. Ou pas gagné, ou pas fait pour promotion dans le travail. Ou pas gagné, ou pas fait pour mettre tête ou dans rang. Mais tandis que, si vous t'es priorisé les intérêts du royaume de Dieu, c'est le Seigneur qui t'a mis au niveau que vous n'avez jamais espéré. Vous avez choix aujourd'hui. Choix pour être dans ces sécheresse-là. Ou bien pour être capable de retourner et joindre mon Dieu. Et si vous avez un dernier conseil pour ta vabaou avant que nous prions, je vais dire, fais choix. Pour retourner vin joindre mon Dieu. Fais choix pour retourner vin joindre. Parce que là on priorise les intérêts du royaume de Dieu. Le Seigneur levé où? Le Seigneur levé où? Et m'a fini ensemble avec vous avec histoire ça que moi te lire encore sur les réseaux sociaux qui t'ai vraiment attiré attention. Yon grand-père qui te fait yon petite li cadeau, yon pièce. Mais les pièces là te entré dans mes petite ça. Li pa konnen valeur, li pa konnen importance li. Mais grand-père a te dit allez côté yo vann bijou yo.
mande yo combien y a ba ou pou li. Les petites là t'allé yon premier côté. Moun nan te dil. Sak nan mais on n'a pas vo rien. On pa fè échange l'argent avec lui. Pour la jeune grand-père a li di grand-père. Yo pa ba mwen kòp pou li. Grand-père a dit continue marcher aller yon l'autre côté de temps en temps. Et petite la continue marcher. Là non premier côté qui offre yon ti crasse kòp pou li. Comme grand-père te dit, il continue marcher. Li continue marcher là non deuxième côté encore qui offre encore plus kòp pou li. Là non troisième côté qui offre encore plus kòp pou li. Li retourne côté grand-père. Li dit grand-père, mais combien expérience moi fait et mais qui ça moi joine. Grand-père te dit aller côté tout monde qui gagne million yo. Tout monde qui gagne multimillion yo. À l'acheter bijou yo, à l'offrir pièce ça. Mais petit là t'es senti premièrement pour posture li, pour tenue li pas digne pour te caler yon côté qui recevoir multimillionnaire. Mais comme grand-père a dit l'aller. L'elle rivé sécurité qui gagne devant espace ça, pas te même vle l'entrée. Parce que t'es nul. Pas te faire trop représentable. Mais là, il montrait qui sale gen nan mel. Sécurité a quitté l'entrée. Et là, il rive joine ensemble avec maître institution ça. Les maître institution ante wè ki sa te nan men jeune garçon ça. Li te mette le chita parmi les multimillionnaires. Parce que sa te nan men là c'était un bagay de grand prix. Moi raconter une petite histoire ça zanmim. C'est pour me capable dire que donc bon Dieu mettait dans ou capacité que bon Dieu mettait dans ou je dis on pas connait importance li, c'est parce qu'on peut arriver côté qui connaît importance li. Pas quitter sécheresse spirituelle faut perdre. Parce que capacité ça bon Dieu mettait en dedans là. Donc bon Dieu mettait en dedans là. La force chita côté qu'on pas jamais espéré. Si ou prioriser les intérêts du royaume de Dieu. C'est parce que ni ou même ni quand on passé avec lui pour qu'on connaît importance li qui fait pour qu'on jouit ça qu'on doit jouir. Mais une fois que ou insister ou persévérer avec lui, ou entrer côté qu'on pas jamais espéré entrer. Et pour finir, moi veux dire ça qui n'en met on li pi chè pase lò. Li pi rare que diamant. Priorisez les intérêts du royaume de Dieu. Et wap saisi wè. Côté bon Dieu a privé avec ou. Côté bon Dieu a fochita. Ou pas besoin de trouver tête pour promotion dans travail ou. Ou pas besoin de trouver tête pour jouer un bon job. Ou pas besoin de trouver tête pour ça qu'on pral manger ni bre ni habillé. Priorisez les intérêts du royaume de Dieu. Et ou après qui côté bon Dieu. Après ensemble avec vous. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci à Soya. Pour ce bon moment. Merci pour cette attirance. Parce que parole nous dit. Seigneur, dans Jean chapitre 6, le verset 44. Parole nous dit, Seigneur, pas de monde qui a venu à vous-même. Si papa ou pas attiré. Merci parce que tu es attiré nous aujourd'hui pour nous déca venir à vous. Et merci pour parole que vous voyez pour nous. Parole d'exhortation, parole d'encouragement, parole de consolation. Merci. Nous prions au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ pour que parole ça soit capable d'entrer dans la vie nous, puis au capable tomber dans la vie nous et puis au café chair. Seigneur, nous connaissons le bon temps pour prendre. Pour graine ça capable tomber en pourriture mais pour le capable revivre encore pour le grandir pour le porter fruit pas quitter nous tant des paroles ça yo pour tendre mais permettre à ce que yo rentre dans la vie nous et yo porter fruit d'ailleurs parole nous dit dans livre Esaïe que on pas graine parole qu'on prononcer sur la vie nous cap retourner venir joindre nous sans que le pas fait effet dans Esaïe 55 ou dit même Jean l'arroser avec la pluie. Il descend sous la terre pour capable arroser la terre.
pour qu'a bay à tout monde qui t'est semé yo pour qu'a faire fruit ça yo donner pour yo porter fruit pour bay manger à monde qui t'est semé yo manger pour yo manger de même que parole qu'on prononcer sur la vie nous yo pas tourner venir joindre nous sans que yo pas fait effet. Père, moi prions pour chaque monde qui aborde table à soya dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur pour qu'il soit capable permettre à ce que parole ça yo qu'a fait cher dans la vie yo. Tout cela qui t'est tombé dans sécheresse spirituelle bon Dieu puis yo carré les sous koyo pour yo sorti dans ça que yo tombé ya afin que oh Dieu yo capable prioriser les intérêts du royaume de Dieu. Et ou même, ou va lever yo. Parce que tout moun qui priorise royaume ou lever yo en dignité. Seigneur, 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 que parole ça ou fait cher. Et yon jour, yo va témoigner, yo va dire, nous t'attendez yon moun que nous pas même connaît. Le Seigneur te utilise bouche li pour te exhorter nous, pour te sortir dans sa m'te tombe ya. Moi t'ai appliqué parole ça yo et jodi a mais qui ça bon Dieu fait pour moi. Seigneur, fais que à travers parole ça yo ka gen des témoignages k'ap vini dans l'avenir dans la vie chaque monde qui prie avec nous à bon table. Nous remettre la vie nous dans main. Oui Seigneur, nous remettre la vie nous dans main. Continuez à enseigner nous. Continuez à apprendre nous. Continuez Seigneur, instruis nous pour que nous capable prendre travail à cœur. Nuit là dans maison. Famille nous dans maison. Proche nous dans maison. Seigneur. Nous dans maison. La vie nous dans maison. Direction la vie nous dans maison. Pas quitter Seigneur. Nous faites tu avec vous. Pas quitter nous continuer rebeller face à vous. Mais aider nous pour nous retourner. Mais pour nous régler cause nous avec vous. Afin que Seigneur nous sommes capables de jouir les bénédictions qui cachent dans le royaume. Fais ça pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. 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 Dieu béni, on femme avec ce moi yo. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni encore une fois. Nous remercions pour temps, mais tout d'abord, quittez nous remercier le Seigneur pour moment ça. Nous dire merci, nous bénissons. Nous seulement à prier le Seigneur pour que parole ça soit capable faire cher dans la vie. Moi t'ai content avec quoi bon table encore à soya. Pour nous rencontrer avec bon Dieu dans la prière. Que moment ça capable un sujet de bénédiction et d'édification pour nous chaque à soya nous pas aller n'a toujours quitté ou avec même parole n'habitué quitté ou Jésus-Christ a retourné dégager ou pour régler cause ou ensemble avec lui pas chita vivre dans négligence pas dire ou gain temps parce que parole lui dit dans 1 Thessaloniciens 5 que l'a venir ta cou son voleur. Pas ta souhaité jour ça vini comme une surprise pour. Mais pour que vous capable déjà préparer ou à n'importe là que le ta va venir pour déjà prêt pour aller rencontrer avec sauveur là. C'était toujours ami ou sœur, c'est avant tout sœur Judith des Cieux Toussaint qui toujours avec vous à bon table chaque soir pour servir aux places au pied spirituel ça. Déjà moi remercier vous même qui parlez de nous partager moment de prière ça. Please, aidez-nous partager moment de prière ça pour que message ça capable arriver jeune mettre. Bon Dieu bénis-vous.
sans Jésus couvrir, on a quitté dans deux plats, mais papa, bon Dieu. Nous pas le quitter avec musique, ça. Confiez-moi dans Dieu, qu'on est là pour prendre soin de moi. Avec Céline Datus, nous pas le quitter avec lui. Que chance ça capable de réconforter, que le capable d'encourager, et que le capable de bénir. Quant à nous-mêmes, nous allons dire au revoir et passer bonne nuit sous regard supervisé CUA. Rendez-vous cassé pour demain soir si Dieu veut, si Jésus-Christ pas guet en retourner et si bon Dieu permet nous. Dormi bien, retenez en pied bon Dieu. Shalom, shalom. Confiez-moi dans Dieu, n'importe côté moyen. Alléluia. Ni sous la terre, ni sous la mer, oublié. Ne tout
Hallelujah.